many years in Haiti, you had a very particular situation where many of the services you normally associate with the state, especially social services, are performed by others, either by non-governmental organizations or by private sector individuals. Ce n'est pas tant le ministère qui a fait appel à ses fournisseurs de services, c'est plutôt les besoins de la population. Il faut les satisfaire. Pour parler en termes économiques, il y a un marché. Et donc, étant donné que le ministère n'a pas cette capacité de production, le ministère est bien obligé de faire appel à ce genre de service. Everything from running orphanages to primary schools, secondary schools, even universities, to running pharmacies, health centers, hospitals. Par exemple, on dépose au niveau de l'USAID, au niveau de l'ACDI, etc. Et on obtient des financements. Et les financements s'exécutent en général, en dehors du ministère. Nous recevons nos contrats directement selon les besoins et les demandes du bailleur. Donc la relation est strictement une relation entre le bailleur et nous-mêmes, en tant qu'organisation locale opérant sur le terrain. À Haïti, on fait ce qu'on veut. Les inspections sont très rares et pas de qualité. Donc chacun impose sa manière de faire et son choix de méthode et d'application. Même dans une direction départementale, il y a des organisations qui viennent avec des projets, qui exécutent ces projets. Et le plus souvent, on constate certains doublons dans certains projets. Mais comme je vous dis, c'est un exercice qu'on est en train de renforcer. Et avant le 16 de janvier, l'école était financée par les parents. Nous avons signé un contrat. Ils nous donnent des dates. Le tableau que vous voyez ici, et les matériels scolaires, même les cahiers. En fait, nous pouvons dire sans save the children, l'école ne pourrait pas fonctionner cette année. Nous avons environ 300 écoles dans lesquelles nous intervenons. Et cette liste d'écoles, par exemple, est soumise dans le cadre du protocole d'accord au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un annual work plan which we sign off with the Ministry of Education. Make sure that we're reaching the priorities that they have agreed within their own sector strategic planning processes, the government plans, looking at the most vulnerable children within the mandate of UNICEF. And those plans are signed off between both the agency and the government. What is happening now after the assessment and with the development of a national plan framework? The international community has decided that its past practice of avoiding government involvement has to end, and that we all now have to support the government to start to take control of its own country. C'est en réalisant ces exercices que le ministère va se renforcer. Il faut que cette occasion soit donnée au ministère pour se renforcer, pour exécuter, même pour tâtonner. Develop the capacity to monitor what is happening, and to provide standards for training so that, for example, whether it's pharmacists or whether it's teachers, they are following one national curriculum in schools, one national drug policy, that their training is of a standard where you can expect the quality of services to be provided to be good. Que les résultats aillent vraiment vers les enfants d'Haïti. On a besoin de l'aide. Mais c'est l'État qui doit avoir d'abord un programme d'éducation. Further down the line, the government would like to start taking back the delivery of services in healthcare, in education. But that's going to be further down the line. Step one is the basic frame within which providers must act.